Salut tout le monde, c'est Miros et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 15, je crois, de Final Fantasy 4 DS. La dernière fois on avait commencé la tour de Zot et cette fois-ci on va continuer. Je vous garantis pas, je vous dis même qu'on ne terminera pas la tour de Zot, simplement parce que j'ai un niveau beaucoup trop faible pour ça. Le niveau conseillé pour le finir est 34. Mon meilleur personnage est au niveau 29. Suivi d'un 28 et de 2 27. Donc bon, je suis un peu dans le caca quoi. Donc on terminera pas ce donjon cette fois. Mais dans le prochain épisode, je pense qu'on pourra le terminer. Alors ici, on a des gros ennemis qui tapent très fort, donc on se barre. Aussi simple que ça. Aussi, quand on aura terminé, il faudra qu'on parte explorer un petit peu dans les alentours, parce que j'ai pas bien exploré. Parce que j'ai oublié des compétences qui pourraient se révéler très intéressantes même pour la suite. Alors c'est où ça? There you are. Non, une tente d'abord. Hop. Alors, utiliser, c'est où la tente? C'est là. J'en ai 12, ça va, c'est tranquille. Je garantis pas qu'on en ait assez pour jusqu'à la fin du jeu, mais j'en ai pas mal. Hop, nous sommes donc réparés. Ben du coup, hop, on va sauvegarder, hein, tant qu'on est là. Voilà. Hop. Donc, continuons. Enfin, je dirais même retournons en arrière. Quoique non, en fait. On va pas retourner en arrière, on retournera en arrière plus tard. Ici, si je me trompe pas, on va se frotter contre des boss qui sont faciles. Donc, c'est parti. Bienvenue à la tour de Zot. Ravi de faire votre connaissance. Nous sommes les sœurs Magus. Barbaricha, l'impératrice éolienne, nous envoie. Je m'appelle Samantha. Je suis Maria. Et moi, Annabella. Vous n'irez pas plus loin. Nous récupérerons le cristal. Et grâce à notre attaque Delta, vous ne reverrez plus jamais Rosa. That's what you think. Alors, un boss très... Enfin, quoique... faut pas que je m'avance trop parce que sinon, ben, ça, je vais forcément être mal barré. Un boss plutôt facile. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je vis ski. Voilà, en fait, la technique c'est de viser uniquement Maria pour le début. Alors, ouais, c'est ça, c'est Maria. Ouais, ouais, c'est ça. Elles utilisent miroir. Donc, la technique est tout simplement de faire de ne pas utiliser de magie, voilà. Alors, on va utiliser célérité. Oh merde, elles vont faire Delta. Fuck. Oh, ça va, c'est... C'est feu de... Oh putain! Non, en fait, ça va pas. God damn it. Ok. Alors, je m'attendais pas à ce qu'ils puissent prendre aussi cher. Honnêtement. Alors. Que de phoenix. Voilà, ressuscite Cid. Alors, je m'installe bien dans mon siège. Lance le sort à Annabella. Annabella, c'est laquelle? C'est la petite? Elle lance quoi comme sort? Elle soutient, ok. Alors, pour ceux qui connaissent Final Fantasy X, et je pense que vous êtes beaucoup, ben, elles utilisent pratiquement les mêmes attaques que dans le 10. Hein. Merde! Oh non! Ça c'est pas cool les mecs. Est-ce qu'on peut leur utiliser lenteur? On va essayer. Ah non merde, ça va me le renvoyer! Ah! J'ai fait une bourde. Bon, c'est pas grave, j'ai soigné la petite. De toute façon, je l'ai pas attaqué. Qui c'est qui va se prendre lenteur? Cid. En fait, Cid, il est là pour tout prendre dans la gueule. Il sert vraiment pas à grand chose, hein, Cid. Donc, on va utiliser encore une fois celle-là. Avec Cécile, voilà. On attaque, hein. On leur casse la tronche.
Tella, qu'est-ce que tu vas faire, mon ami Tella? Ah, ok, on va se prendre un soin, là. Un delta. Que deux sur qui? Sur Seed, ok, c'est pas grave. Bon, du coup, je sais pas quoi faire. On va utiliser bah, barrière. Puisque de toute façon, elles font que des dégâts magiques, quasiment. Et on va méditer. La méditation. Ensuite, avec Cécile, on va attaquer. Putain, non! Arrête un peu avec tes miroirs. Ça, c'est chiant, les miroirs, hein, franchement. Alors, je vais faire... Non, pas célérité. Est-ce que j'ai Fury ou quelque chose comme ça? Fury. Sur Yang. Comme ça, il va taper beaucoup plus fort. En plus, là, il a méditation. Donc, c'est nickel. Il va taper vachement plus fort. Fury, c'est un truc qui m'avait permis de battre très facilement le dragon noir. Ok. En plus, il a même pas attaqué la bonne. What the fuck? Putain, elle arrête pas avec ses miroirs. Non! Alors, du coup, le truc qu'il va falloir faire... Non, non, j'ai rien dit. Alors, on va préparer déjà une potion. Et c'est pour Stella qui va sûrement mourir. Non, même pas. Hop, potion. Potion! Du coup, qu'est-ce que je vais utiliser maintenant? Je pense que je vais faire célérité sur Cécile. Ah non, merde! Oh merde, putain! Chaque fois, j'oublie qu'il a miroir. Faudrait que j'utilise un truc genre purge ou quelque chose comme ça. Non, puisque ça va lui renvoyer aussi. Fuck! Mais pourquoi j'attaque toujours celle de gauche, moi? Alors que je dois attaquer la grosse. Bon, elle, elle fait des petits sorts. Mais pourquoi elle les renvoie pas, elle, les trucs? Je comprends pas. Qu'est-ce que je peux utiliser? Bah, rien. Sans effet, génial. Je ne peux rien utiliser, donc on va mettre Tella en défense. On va attaquer Maria. Mais pourquoi il attaque elle à chaque fois? Ah oui, Fury, en fait, il contrôle pas, c'est ça? Merde. Non, parce que le problème, en fait, pourquoi il faut taper Maria en première? C'est parce que elle renvoie les... non, elle peut ressusciter ses sœurs. Donc c'est fort problématique. Ok, elle s'est attaquée toute seule, cette conne. Bon, j'aurais pas dû faire ça. Clairement. Bon, je pense qu'on peut remporter ce combat. Il suffit de bien gérer. Yang, il a tous ses points de vie, ouais. Bon, bah, du coup, on va faire défense. Yang, il est toujours sous la furie, ouais. Faudrait qu'elle me tue Yang, mais ça serait pas l'idéal en fait. Bon, toujours en défense, Tella. Bon, et Maria, c'est quand elle veut pour crever. Vous me souvenez qu'elle était longue à mourir, mais pas à ce mois-là. D'ailleurs, est-ce que ça enregistre mon son? Je pense que oui. Ok. Et il a plus miroir. Vas-y, vas-y. Non, pas elle! C'est pas elle qui doit mourir! Bon, au moins, Yang, normalement, il devrait attaquer Maria maintenant. What? What? Il s'est passé quoi, là? Pourquoi elle a fait ça? Ok, j'ai pas trop compris.
Ah, j'ai récupéré le contrôle de Yang. Ça, par contre, c'est bien. Putain, mais ils prennent cher. On va ressusciter Tella. Je vais utiliser une super potion sur Yang. Alors, qu'est-ce qu'elles vont faire? Une attaque magique, je suppose. Putain, Delta, mais ça fait mal, ça, Delta. Qui c'est qui va prendre... Putain, non, pas Yang! Allez, dépêche-toi, que de Phoenix, merci. Bon, ben, soin d'eux. Toute l'équipe. J'aurais dû utiliser un éther plus tôt. Je sens que ça va être un gros fail. Alors, on va utiliser un éther. Hop. On va se défendre. De toute façon, elle nous met trop cher, Maria. On va réutiliser un soin 2. Hop. Cécile, tu vas me refaire un bouclier sur toute l'équipe. Yang, mets-toi en endurance. Je sais pas ce que ça fait, endurance. Je suppose que ça doit augmenter sa défense, quelque chose comme ça. Le truc, c'est que là, je suis dans la merde. Bon, elle attaque. Foudre 2, attention. Sur... Bien joué. Ça, c'est malin, ça. Pas doué. Ok, résurrection, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Hop. Normalement, maintenant, on devrait plus avoir trop de problèmes. J'espère. Non, elle contre-attaque quand même. Je vais faire l'heure sur Cécile. Yang toujours en endurance. Comme ça, s'il se fait attaquer, il prendra pas trop de dégâts. C'est l'objectif principal pour l'instant. Je vais utiliser un soin sur Cécile. Alors, est-ce que j'aurai un objet à utiliser? Au cas où, hein, pour me donner un truc. Non, j'ai rien du tout. Donc on va rester en défense. Va utiliser l'heure sur Yang aussi. Ok, Cécile, tu te prépares à soigner toute l'équipe. Non, à celui qui va se prendre des dégâts, je sais pas qui ça va être. Ok, c'est Yang, tu soignes Yang. Hop. Donc l'heure, pour ceux qui sauraient pas, ça augmente... Ça empêche de se prendre deux attaques physiques. Il me semble que c'est ça. Bon, elles sont chiantes à parler quand même. Puis le combat, il commence à faire long, là. Ah, merde. Bon, je vais, hop, faire ça. C'est bon, elle a pas répliqué. J'ai utilisé célérité sur Cécile. Bon, il faudrait qu'on se débarrasse de Maria au plus vite. Ah, il serait peut-être temps qu'elle meure quand même. Hein. Ok, elle l'a raté, donc c'est bon. Yang attaque. Miroir, voilà, comme d'hab. Commence à avoir l'habitude. Par contre, le miroir, il dure longtemps, c'est chiant. Bon, votre là, il peut plus rien faire. De toute façon, il n'y a plus de PM. Qui c'est qui va prendre cher? C'est Tella. Ok. C'est bon, il a résisté, tant mieux. On va faire méditation. Comme ça, hein. On est tranquille.
Non, pas de magie blanche, parce que de toute façon, j'en ai plus. Utiliser une super potion sur celle-là. Hop. Ok, je pense qu'on peut gagner. De toute façon, la seule qui est difficile à tuer, c'est Maria. Il n'y a pas photo là-dessus. Ok. Yang, tu vas attaquer Maria. On va encore attaquer. Alors là, pour le coup, je vais utiliser un éther. Je vais peut-être le regretter, mais tant pis. Bon, Cécile, il a miroir, donc je ne peux plus utiliser l'heure. Feu 2. Portelle-là, ok. Bon, il faut impérativement que j'arrive à tuer Maria. Parce que là, ça commence à être vraiment long. Elle a beaucoup, beaucoup de points de vie. Je sais pas combien, mais elle en a énormément. Oh, un coup critique, ça fait plaisir. Dommage qu'il tape pas très fort. On va utiliser une super potion. De toute façon, il y en a plein au magasin. Qui n'a plus miroir? Ok, ils ont encore tous miroir dans mon équipe. Alors, je vais attaquer avec Yang. Et je vais utiliser une queue de phénix avec Cécile. C'est bon, on a tué Maria, youpi! Enfin! Elle en aura mis du temps à crever, elle. Au moins 8 minutes. Je dirais ça à peu près, 8 minutes. Voilà, une petite queue de phénix, ça fait toujours plaisir. De toute façon, maintenant, je crois qu'elles ne peuvent plus rien nous faire. Donc au moins, comme ça, on est tranquille. Ok, bien joué. Alors toi, t'es maligne, mais alors? Putain, aussi conne que ses pieds. Ok, bon, lui. What the fuck? J'ai pas tout compris. Magie blanche. Est-ce que dans mon équipe, il y en a qui n'ont plus miroir? Yang, apparemment. Mais il a déjà célérité, non? Il a pas célérité. Donc on utilise célérité. Bon, on va attaquer. Alors, la plus dangereuse, je sais pas c'est laquelle. Ça doit être celle-là, la petite. Donc on va attaquer la petite. Comme ça, peut-être pouvoir la tuer. On va méditer pour taper plus fort. Fury sur Yang. Ok, ça me convient, c'est ce que je voulais faire. Ici, on va utiliser Glace 3 en espérant qu'elle ne va pas contre-attaquer. Sinon, ça pourrait faire très mal. Alors, qu'est-ce que je vais me prendre, là? Feu, ok. C'est bon, elle a survécu. Il fait mal, hein, Yang, quand même. Avec sa furie. Alors, tu prends combien, toi? 2987, ça, c'est fait. En plus, elle contre-attaque pas. J'ai envie de dire, c'est tout bénef. Elle devrait quitter ce monde dans peu de temps. Ok, lenteur, c'est pas grave. Honnêtement, on a vu pire. Alors, je vais arrêter avec les éthers, parce que sinon, voilà, on va pas s'en sortir. Donc, il reste plus que la dernière, la grande perche. En fait, t'as la naine, la grosse et la grande perche. Bon, il tape à 4, mais bon, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Hop. Bon, Yang, il peut attaquer qu'elle, maintenant, de toute façon. Hop. Allez, on la termine. Il aura quand même duré très longtemps, hein, ce combat de boss. On voit que j'ai pas le niveau, quand même, hein. Je me demande si ça fait quelque chose si je fais mémoire. Est-ce qu'il va lancer un sort ou... Je sais pas.
Ah bah non, c'est gagné, donc il aura pas le temps de faire mémoire. C'était plutôt rapide, ma foi. Enfin, sur la fin, en tout cas. À la fin, on les a enchaînés, ma poule. Et donc, on a gagné ce combat. Et donc, on va prendre des niveaux quand même. Deux niveaux pour Cécile, niveau 29. Donc, il faudra que j'XP 5 niveaux. Génial. Et il faudrait déjà que j'essaye de ramasser l'épée de feu que j'ai pas pu ramasser sur le lézard de feu, là, qui était un peu beaucoup méchant quand même. Donc, Cécile augmente. Il a appris téléporter, ça je crois qu'on s'en fout. Tella monte de niveau, mais on n'en a rien à foutre, vous allez comprendre pourquoi. Et Yang monte aussi de deux niveaux. Et c'est la teuf. C'est la méga teuf. Non! Comment vous pouvez survivre à notre attaque Delta? C'en est fini de nous! Mais comment ils disparaissent dans ce jeu quand ils meurent? C'est étrange. Est-ce que j'ai besoin de me soigner ou pas? Ou pas? Je crois. Non, c'est bon. Je crois qu'on peut avancer. C'est parti. Il n'y aura pas de combat. Hein. Dis-moi qu'il n'y aura pas de combat. Au pire, on peut prendre des précautions. On va utiliser un soin 2 avec Cécile, voilà, sur toute l'équipe. On aura même un deuxième, parce qu'on est pimp. Hop, allons-y, avançons. Remarquable. Golbez, où est Rosa? Le cristal d'abord. Est-elle en danger? Elle n'a rien. Tenez-moi le cristal. Voilà. Vous lui livrez le cristal de la terre. Maintenant, rendez-nous Rosa. Rosa? Mais de qui parlez-vous? Comment? Il nous a roulé! Je le savais, nous aurions dû nous méfier! Je n'ai rien contre toi, vieillard. Oh, mais moi si! Tu vas payer pour ce que tu as fait à ma fille. Au combat scénarisé, encore une fois. Il a la classe quand même, hein, le Golbez. Feu 3! Espèce de vieil homme insignifiant. Tu es moins que rien. Foudre 3! Glace 3! Le moment est enfin venu d'utiliser Météore. Non, Tella, arrêtez! Le sort vous consumera! Peu m'importe. Que ma vie alimente le sort qui détruira la sienne. Météore! Oh, impossible! Sachez encore une fois que je n'ai absolument rien touché durant ce combat, c'est un combat scénarisé, tout comme on en a eu d'autres précédemment, bien sûr. Comment peux-tu lancer Météore? T'es là! Nous avons quand même récupéré le cristal de la Terre. Viens, Kane. What? Le sort du vieillard aurait rompu le sortilège? Peu m'importe, tu ne m'es plus d'aucune utilité. Un jour je me vengerai. Cette fois tu ne t'échapperas pas, Golbez. Ma patience a des limites.
Why? Why now stay your hand? You, but how? We will finish this another time. Cecil! You all right? Yes, I'm fine. But tell her. Thinking I could best him. You shouldn't talk. I brought this on myself. Letting hate consume me so. Please, avenge Anna. Tell her. No! Come on! Open your eyes, you old fool! Oh, Tella. Rest then with that daughter of yours. Tella, we will avenge your death and Anna's. I swear it. Tella, il est mort! Et là, on a un petit truc qui brille. C'est la compétence bonus mémoire. Parlons à Kane. Kane! Kane! Cécile. Pardonne-moi. Qu'ai-je fait? Tu étais sous l'emprise de Golbez. Tu n'as rien à te reprocher. Mais j'étais conscient de tous mes gestes. Rosa, je... Rosa? Où est-elle? À l'étage, vite, il n'y a pas de temps à perdre. Non, les mecs, non. Cécile. Non, je suis pas d'accord, là. J'ai pas sauvegardé. Rosa, je savais que tu viendrais. J'ai compris dès que tu m'as quitté. Rosa, je... Cécile. Chamonion. Oh oh oh, il y a de l'amour dans l'air. Kane, il est de nouveau lui-même. Pardonne-moi, Rosa. Ma conduite n'était pas entièrement dictée par Golbez. Je voulais te garder avec moi. Kane. Joins-toi à nous, Kane. Rosa, Cécile, je vous demande pardon. Hey, c'est pas le moment de tergiverser. Nous devons sortir d'ici. Allons-y, Kane. Cécile, tu nous aideras à combattre Golbez, n'est-ce pas? Ton aide nous sera précieuse, maintenant plus que jamais. Bien sûr, Cécile, Rosa, merci. Rosa et Kane se joignent à l'équipe! Ouais! Est-ce que je peux partir? Oh fuck, je crois que non. Merde! Comment vous dire que c'est la galère? Oh les gars, on est mal barré. Oh, j'ai pas enlevé les équipements de Tella. Oh fuck. Ah, quel con. Il y avait des trucs bien ou pas? Non, je crois pas. Bon alors, est-ce que j'ai des trucs à te proposer, toi? Non. Un casque d'acier, c'est moins bien que ce que t'as. Ok. Voyons voir pour Rosa. Bon, Cécile, on a tout, voilà. Grand arc. Qu'est-ce qu'on met le grand arc? Non, parce que ça baisse l'esprit. On va peut-être garder l'esprit quand même. Chapeau pointu, je ne peux pas le turlututu. Dit-il en même temps que la musique qui fait tonututum. Du coup, ça fait turlututu. Génial, non? Alors, bon. Je crois que là, on a un truc qui s'impose, c'est la save state.
Je ne comptais pas en faire durant le let's play, sauf que là, c'est indispensable. Parce que j'ai été con et je suis pas allé sauvegarder. Au niveau de mes personnages... Ah oui, ils ont pas été soignés, merde. Oh, fuck! Bon, déjà, on va aller dans le réglage de l'équipe. On va inverser Kane avec Sid. Hop. Alors, la save state, normalement, c'est Shift plus F1. Ok. C'est comme ça que ça marche. Bon, bah, vous aurez vu comment on fait une save state sur un jeu DS. Par contre, le out state, c'est combien? C'est F1, je crois. Tout court. Ouais, ça doit être ça. Donc, bah écoutez, on va descendre. Non. Attendez, on va peut-être quand même soigner Sid. Ah oui, on a récupéré Rosa. Voilà, le mec qui pense comme ça d'un coup. Oh, bah, oh, c'est vrai, on a récupéré Rosa. Et quelle bonne nouvelle. Et oui, parce que n'oubliez pas qu'elle a sa prière, et ça, c'est le top. Alors. Nous vous avons sous-estimé, on dirait. Je ne vous pensais pas capable de blesser Sir Golbez. C'est Barbaritia, l'impératrice éolienne, l'un des seigneurs élémentaires de Golbez. Kane, tu nous as donc trahis. Dommage, tu avais tant de potentiel. Je ne vous ai pas trahi, Barbaritia. J'ai tout simplement repris mes esprits. Quelle insolence! J'aurais dû vous éliminer, toi et Rosa, quand j'en avais la chance. Cependant, le vieux mage n'est plus là pour lancer Météor. Je vais enfin pouvoir rectifier mon erreur. Tu peux toujours essayer, mais n'oublie pas que je peux moi aussi être porté par le vent. C'est l'heure de la baston! Et donc, on a la musique épique, comme d'habitude, des seigneurs élémentaires, j'ai retrouvé le mot. Alors. Sautons. Voilà, tout simplement parce que j'avais prévu qu'elle ferait ça. Parce que je suis trop malin. Bouclier. De toute façon, Kane sera très souvent en l'air. Donc, je pense pas honnêtement qu'on ait besoin énormément de lui. Qu'on ait énormément besoin de lui, ça a déjà un peu plus de sens. Ici, alors avec toi, ben défense, ou non pas la bourrasque. Non pas la bourrasque. Ça fait quoi la bourrasque? Ok, ça lui a baissé ses points de vie, mais il y a un truc de fou. Je vais faire soin 2 sur Yang. Avec Cécile, je vais attaquer. Avec Sid, je vais attaquer. Avec Yang, je vais attaquer. Bon, Rosa est extrêmement importante, hein. Oh non, pas les éclairs. Ah! Ok, c'est bon. J'ai compris, ok. What? Pourquoi t'es encore vivant, toi? Queue de phénix. Rosa. Alors, je sais pas comment je vais faire pour la battre, là, la Barbaritia. Ça va se révéler assez compliqué, ma foi. Ok, là je vais reprendre cher dans 3 secondes. Ok, la bourrasque. Magie blanche, vie sur Kane. Ne meurs pas. Défense. Alors, doigt pétrifiant, c'est quoi ça? Oh merde. Quelque chose me dit qu'on est dans le caca, les amis. Magie blanche, oui. Sur Yang. Parce qu'il est puissant, Yang. Et qu'il peut endurer. Donc déjà, c'est un... Oh non! Putain. Ça, c'est chiant, les éclairs.
Ils font des gros bobos, les éclairs. Est-ce que Kane va aussi être touché? Non. Dommage. Saute. Endurance. Oui, sur toi-même. Alors, est-ce que je peux faire un soin 2 ou soin 3? Non, j'ai pas soin 3. Ah, merde! Cécile est en pierre. Non, mais... Bon, ok, fin. On est reparti! Ah, j'ai bousé. Bon, ça, on l'a déjà vu. Je suis en train de violer mon truc, là. Mon bouton A. Bon, quand tu veux. Voilà, l'impératrice éolienne, blablabla. Dépêche-toi, espèce d'éolienne. J'ai sauvegardé avant ou après le changement de truc? Je sais plus. Bon, on s'en fout. Ah merde, j'ai pas soigné mes personnages. J'allais dire mes Pokémon. Bien joué. Tantan, tantan, tantan. Défense. Bouclier. Défense. Endurance. Lenteur. Ouais, ça c'est un truc que j'ai oublié de faire juste avant, la lenteur. Pourtant c'est très important. C'est même extrêmement important. C'est même indispensable. Et je l'ai pas fait. Voilà. Je suis pas doué. Hein. Seed. Défense. Kane, défense. Putain, non, pas la bourrasque. Vas-y, soin. Endurance. Bon, je crois que je vais pas m'en sortir avec ce boss, moi. Utilisons célérité. Est-ce qu'elle a célérité? Oh putain, non, t'es pas sérieux, elle a pas célérité. Elle a pas célérité, mais lol! Fais chier! On va utiliser barrière. J'aurais pas un objet par hasard qui me permet d'utiliser célérité. Oh merde. Ah, je fais des conneries. Botte d'Hermès. Parfait. Non, pas sur toi! Putain, je peux l'utiliser que sur lui. Fais chier. Ça va me faire perdre un tour, cette connerie. Tant pis, pas de célérité pour ce combat. Est-ce qu'il y a encore des gens à soigner? Oui. Soigner Kane en priorité. Toi, tu vas encore endurer. Peut-être tu te défends. Rosa, prière. Parce que la prière, c'est indispensable dans ce jeu. Dans ce jeu seulement, parce qu'en vrai, je suis pas croyant. Hein, donc, pour moi, ça n'a aucune utilité, tout simplement. Je dois avouer ne pas comprendre, d'ailleurs, pourquoi il y a des religions. Et ni à quoi ça sert, mais bon, c'est pas un débat à dire en vidéo. Pour une fois, je vous demanderai de ne pas répondre à cette question. Si vous le faites, bah, tant pis. Hein. Défense. Mais il y a une animation pour Yang quand il veut faire son truc, là. Bon, les gens récupèrent un petit peu de PM, ça fait plaisir. Défense, défense... Endurance. Oh non, pas les éclairs. C'est cheatay. Hop. Ça c'est juste le truc en plus au cas où. Au cas où ça remplirait pas tout le monde. Ok, si en plus il s'est transformé en pierre, ça c'est génial. Est-ce que j'ai une épingle d'or? Oui. Hop, sur Seed. Le seul qui peut l'attaquer pour l'instant, là, la Barbaricia, c'est machin. Comment il s'appelle? Je sais plus. Merde. Kane, voilà, Kane. Barbie et Kane, je retiens. Ok, elle était facile, je l'avoue. Bon, par contre, il y a un truc qui me fait chier, c'est qu'elle a pas ce foutu sort de célérité. Qui est pourtant indispensable contre les boss, hein, je vous le rappelle. Botte d'Hermès, sur toi-même. Défense. Et là, on va sauter. Hop. Donc, on va attendre. Non, on va faire méditation. Comme il y a un tour à attendre.
Vas-y, tu sautes. Non, pas Bourrasque. Ah, non, pas sur elle-même en plus. Putain. C'est juste la personne qui ne doit surtout pas se prendre ce sort. Elle est indispensable, Rosa. Sans Rosa, c'est simple, on ne peut rien faire. Hein, tout simplement. D'ailleurs, faudrait que je pense à faire des soins simples sur Rosa avec, avec elle-même, parce que je me soigne trop fort. C'est quand même un comble. Prier. On va couvrir Rosa. Putain, par contre, la prière, ça fait laguer. Mais alors, on va attaquer. Ici, on va défendre, tout simplement. Bon, je prévois qu'elle va se retransformer. Elle a tapé... Oh putain, elle a tapé super fort. Soin 2, hop. Magie blanche. Soin 2, ouais. On va méditer. On va attaquer avec Sid. Ok. A chaque fois, j'appréhende un petit peu l'attaque avec Sid parce que je sais qu'il est pas très puissant. Qu'est-ce que j'ai? J'ai bouclier et barrière, ok. Est-ce que je devrais utiliser l'heure? Je vais utiliser l'heure sur Cécile. Je vais défendre avec Cécile parce qu'il n'a plus de PM. Donc il va falloir que je fasse prière. Défense, attaque, prière, défense, sauter. Bon, ça me fait un peu chier les ralentissements à chaque prière. Cécile, il récupère pas beaucoup avec la prière, donc c'est assez gênant. Mais bon, on fera avec. Ça fait laguer, mais je le fais quand même parce que c'est tellement indispensable comme truc. Bon, tu sautes toi là-bas. Merci. Suffisait de demander, hein, après tout. Hop, attaque. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais utiliser l'heure sur Rosa elle-même. Comme ça, on est tranquille. Non, pas l'éclair, pas l'éclair. C'est pas grave, c'est Sid qui est mort. Super potion sur Rosa. Indispensable, Rosa. Utiliser un soin simple, comme elle a pas beaucoup besoin de soins. Je pense. Je pense donc je suis. Pourquoi... Non, j'allais dire pourquoi Yang n'était plus en brillant. J'ai cru qu'il avait perdu ses facultés, n'est-ce pas? On va sauter. Je sais pas si ça fait plus de dégâts le saut. Bon, on s'en fout de toute façon. Hop, attaque. Yang attaque. Les éclairs, ils font quand même des gros bobos, hein. Vous serez d'accord, je pense. Non, pas l'éclair. Mais oh non, pas Yang. Non, 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 là je suis pas d'accord. Yang est mort. C'est pas cool. C'est pas cool, les mecs. Oh non, il a raté. T'es sérieux? Non! C'est pas possible! A chaque fois, en plus, je fais ce soin 2 alors qu'elle n'en a pas besoin. Mais alors, pas du tout. Que de phoenix, Cécile. Ok. Alors ici, on va faire vie sur Yang. Que de phoenix sur Kane. Comme ça, on peut en ressusciter deux en un seul tour. C'est génial. Par contre, il va falloir que je repense à faire un barrière.
Mais le plus important pour le coup, c'est le soin, je pense. Et soin 2 sur toute l'équipe. Saute. Vas-y, prends ton soin et saute. Niveau... Ok, niveau point de vie, un soin 2 s'impose. Clairement. On va endurancer. Oui, elle était nulle, hein, ma vanne. Barrière. On va peut-être attendre quand même le retour de Kane pour faire la barrière. Kane, dépêche. Kane, bouge ton cul. Tant pis. Tant pis pour toi. T'auras pas la barrière. Ah non, c'est vrai, je suis en semi-auto. Du coup, bah, il se passe rien pendant que je sélectionne. Ah oui, elle avait déjà la barrière. J'avais oublié. Du coup, ma rosinette, tu vas faire une prière pour y récupérer un petit peu de tes points. Est-ce que je peux faire acuité sur un boss? Question existentielle. Ah, ça a marché. Non, ça a pas marché. Oh non, pas Maelstrom. Ok, c'est bon, elle a raté presque tout le monde. Pas doué. Super potion sur Cécile. Ce qu'il est indispensable, encore une fois. Soin 2 sur toute l'équipe. Enfin non, c'est Rosa la plus indispensable, mais... Indispensable, pardon. Mais Cécile est pas mal non plus dans son genre, hein, honnêtement. En niveau point de vie, on en est où? Ok. Faut quand même les soigner. Maelstrom, en fait, c'est comme Bourrasque, mais c'est sur toute l'équipe. Donc forcément, ça fait très mal. Yang attaque. Alors c'est chiant, je vois pas son nombre de points de vie à cette sign-up. Pour éviter de dire des gros mots. Est-ce que je peux la silence? Je sais pas, on va essayer. Arrête de faire des bobos à mes copains. Ok, je peux pas la silence. Dommage, ça aurait été mais tellement utile, tellement. Vous imaginez même pas. Hop. Du coup, toi, tu sautes. Par contre, je sais pas si c'est une très bonne idée d'utiliser du feu sur elle. J'aurais peut-être dû sortir mes griffes de glace. Est-ce que j'ai besoin d'utiliser un bouclier? Ouais, quand même, sur Yang. Seulement sur Yang. Parce que les autres, on s'en fout. Je vais soigner Yang. C'est bien le mec qui dit, ouais, ils sont trop importants, mais les autres, on s'en fout. Enfin, mais on s'en fout quand même. Voilà. Hop, attaque. Alors, je pense que je vais éviter quand même eh ben, il a pris cher. Un truc que j'aime particulièrement depuis le Dragon Noir, c'est la furie. Je pense qu'il faut éviter sur ce boss. Très franchement. Alors, super potion sur Kane. Enfin, sur toi-même, quoi. Hop. Ok. Bon, le truc bien, c'est que j'ai utilisé lenteur, alors forcément, ça va beaucoup mieux que tout à l'heure où je ne l'avais pas utilisé. Je refais une prière parce que j'ai plus beaucoup de points de vie, de points de magie, et j'ai pas envie de gâcher un éther. Hop, tac. Toi, tu sautes. Toi, t'attaques. Par contre, elle est longue à crever, elle est longue. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je sais pas. Alors, le soin n'est pas nécessaire, donc on va refaire une prière, comme d'hab. C'était rapide, hein, elle est pas restée longtemps dans sa petite tornade, là. À faire une méditation. Et même parce que Yang il a des PM, mais on sait pas pourquoi. Non!
I said no! Soin de toute l'équipe. Cécile, il a rien pris. Mais alors, vraiment rien de rien, quoi. Genre, le truc, il est passé, mais... I don't care. I don't give a shit. Quoi, déjà 50 minutes? Ça fait combien de temps que je suis sur ce boss, là? À 20 minutes, j'étais sur les Magus. Enfin, je terminais les Magus. Ensuite, il y a dû y avoir un truc genre 5 minutes de cutscene. Ça fait pas 20 minutes que je suis sur ce boss, quand même. Attendez. Il y a des limites à la connerie. Oh non! Il est mort. Non, attends. Fais pas de conneries, Juju. Objet! Queue de phénix! Putain, j'en aurais utilisé, hein, des queues de phénix dans ce combat. Heureusement que j'en ai à l'appel. N'empêche, imaginez ces pauvres phénix. Qu'est-ce qu'ils doivent prendre dans le cul quand on leur arrache une plume? Bring! Ça doit faire mal, hein. Hop! Ouais, quand même. Hein. Non, un soin 2, allez. Je l'aime bien. Je l'aime bien, Yang. Toi, du coup, tu vas faire quoi? Bouclier, bah oui, je suis con. Bouclier. Endurance, toi, hein, Yang. Comme ça, si elle te fout un coup de cheveux, t'auras moins mal. Oh, bah voilà. Il suffisait de le dire. Alors, je vais utiliser un leurre, quand même, sur Yang. Puisque c'est vrai qu'il prend plutôt cher. Et je vais utiliser un soin pour les cheveux sur Cécile. Parce qu'il a beaucoup de cheveux. Putain, qu'est-ce que je peux en débiter comme connerie des fois? Non! 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 Ils ont tué Rosa! C'est pas sérieux là! Putain, du coup, elle a pu célériter. Fuck! J'étais tellement bien parti. Mais tellement bien. Tiens, toi, attaque. Attaque et fais pas chier. 372. J'ai gagné? J'ai gagné! Ouais! Bitch! Ah, je suis content! Yeah! Par contre, Sid, à chaque combat de boss, il est mort à la fin. Du coup, il gagne absolument pas d'expérience. Allez, boum! Level up! Niveau 30, Cécile. Niveau 27, Rosa. Niveau 32, Yang. Misérable traître. Vous m'avez peut-être vaincu, mais il reste toujours un seigneur élémentaire. Ouais, cache-cache peut-être. Et vous n'aurez pas le plaisir de le connaître puisque vous ne sortirez pas d'ici vivant. La tour va s'effondrer. Il n'y a pas d'issue. Oh, j'ai un mauvais pressentiment. Approchez-vous de moi. Téléporté. Ouais. Nous sommes... dans ta chambre, à Baronne. Tu veux faire ça devant tout le monde? Non, pardon. Puisque l'imposteur a été éliminé, nous ne devrions plus rien avoir... Nous ne devrions n'avoir plus rien à craindre. Cécile, j'ai quelque chose à te dire. Quoi? C'est au sujet des autres cristaux. Nous avons aussi perdu le cristal de la Terre à Troya. De Troya. Golbez a donc tous les cristaux. Non, il n'en a que 4. Tu veux dire qu'il y en a d'autres? Ça me dit quelque chose. Il n'y avait pas une légende des cristaux des ténèbres? Ouais. Les cristaux de ce monde sont les cristaux de la lumière. Où il y a de la lumière, il y a de l'ombre. Alors, les cristaux des ténèbres existent vraiment? Ouais. Golbez n'a que la moitié des cristaux. Même si la légende dit vrai, comment pourrons-nous trouver les autres? Nous n'aurons pas à le faire. Golbez les a déjà trouvés. Il faut les récupérer avant lui. Où sont-ils cachés? Comme leur nom l'indique, dans les profondeurs du monde souterrain. Le monde souterrain?
Comment sommes-nous censés l'atteindre? En creusant? Nope. Un instant, j'ai pas terminé. Selon Golbez, lorsque tous les cristaux seront réunis, la voie menant à la Lune s'ouvrira. Une voie menant à la Lune? Je n'y comprends pas grand-chose, moi non plus. Cependant, ceci pourrait nous aider. Vous obtenez le rocher magmatique. C'est un caillou. En utilisant ce rocher au bon endroit, nous pourrons accéder au monde souterrain. Au bon endroit? Mais où donc? Je n'en sais pas plus. Ne vous en faites pas, nous avons The Enterprise. Nous pouvons survoler le monde entier en un clin d'œil. Sid, nous avons laissé l'entreprise à la tour de Zot. Ah, tu me crois c'est nul tout à coup? Je te l'ai pourtant dit, l'entreprise est un aéronef d'avant-garde, je l'ai ramené à Baron en utilisant son système de pilotage automatique. Alors, notre décision est prise. Que ferions-nous sans toi, Sid? Qui sait? Nous partirons demain matin. Rien de mieux qu'une bonne nuit de sommeil pour nous aider à trouver l'entrée du monde souterrain. Pourquoi Golbez ne m'a-t-il pas donné le coup de grâce? C'est le mec qui change de sujet, comme ça, normal. Quelque chose ne va pas? Non, c'est rien. Nous devrions nous reposer. On dirait ma mère, comme ça, il change de sujet d'un coup. Ok. Allons-y. Est-ce qu'ils sont soignés? Yep. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Ouais. Bon, ça me paraît bien. Ça fait quand même 56 minutes, les mecs. La prochaine fois, on fera un épisode XP. Donc, si vous êtes là pour le scénario, ne regardez pas le prochain épisode, voilà, tout simplement. Et donc, on va sortir pour aller sauvegarder, quand même. Parce que, bon, je pourrais passer par les souterrains pour aller au village de Baron, mais non, pas envie. De toute façon, c'est chiant, on va se faire attaquer toutes les 3 secondes. Vous connaissez le refrain. Alors, au château de Baron, il y a un truc qui est caché, qui n'est pas de notre niveau pour l'instant, et de toute façon, pour exploiter le potentiel de cette surprise au maximum, il nous manque un personnage. Là, ça c'est dit, merci pour le spoil. Donc on va sauvegarder. Et j'ai quand même réussi à finir cette foutue tour de Zot avec brio et des niveaux de retard. Ce qui est franchement bien. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode long jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, laissez un commentaire avec écrit pomme de terre aux amandes. Voilà, pomme de terre aux amandes. Laissez ça en commentaire, que ce soit sur YouTube ou bien Network, on s'en fout. Pomme de terre aux amandes, voilà, c'est le mot de la fin. Donc je vous dis à bientôt, bye bye, et prenez soin de vous, et mangez des pommes de terre aux amandes, je ne sais même pas si ça existe, mais je le dis, voilà, bye bye tout le monde, c'était Miros.